acheté la décision de relancer le chantier de l'oléoduc Keystone. Il y a un changement, est-ce qu'il y a aussi un changement tactique ? Quand le Brexit donne de nouvelles ambitions aux indépendantistes écossais. On l'a vu à l'instant, l'entrée de Tsimwe Bakayoko. Oui. Sporting 793, deuxième mi-temps de ce match amical France-Espagne de football masculin. Ah dis donc, tu les as gâtés hein, à la mi-temps quand même. Hein, tu leur as mis ce qu'il fallait. Consultation. En consultation. C'est du sérieux. Ah, il y a du neuf hein, côté français tout de même pour cette deuxième mi-temps. Oui, un changement hein, seul. Puisque Jean-Louis a été remplacé. Oui, juste pour le début de la mi-temps. Ouais, ouais. Par sa femme ouais. qui l'assiste. Qui passe son diplôme. Hein. Allez, c'est reparti avec le time shift. 0 secondes à l'heure. Affiche Jean-Louis. Enfin, madame. Madame Jean-Louis. Ouais, merci. Pardon. Voilà, c'est ça, bien, très bien. 6 secondes, 7 secondes, voilà. Hein. Ah tiens, tu vas voir qu'il va se passer des choses extraordinaires dans cette seconde période, Jacques. C'est-à-dire si, ah, écoute, pensez j'ai à quoi si, ah, comment ça, des buts, des... Oui, voilà, oui, des actions. Des crocodiles buts, du frisson, oui, peut-être, des effectivement, des poursuites en voiture, des diamants. Mais ça devrait être assez sympa et peut-être, effectivement... Des pots de confiture. De l'amour, oui, des pots de confiture. Oh. Et là, ça dégouline. Là, par contre, côté jeu, ça c'est tombant là, tout de suite. Ah non, ça dégoulinait joliment sur la droite quand même. Hein, c'était... Ah, en première mi-temps, vous avez vu les statistiques, vous sur. Oui, j'ai regardé non, un petit peu ça avec nos consultants. Nous café. Regardions un petit peu là, oui, à la machine. Je ne sais pas si elle fait du café, parce que. Mais nous regardions un petit peu les statistiques. Effectivement, Jacques. Ouais. En tout cas, il y a bien une machine qu'on ne va pas inventer. La France souffre à gauche. Une machine. Ah bon oui. Vous le confirmez à gauche. Oui. La France. Ouais. Souffre à gauche. Je crois qu'il n'y aura pas besoin en tout cas de fabriquer la machine à cafeter. Merci pour cette, cette délation. Merci Jacques. Le ballon dans les pièges espagnols. Donc nous allons reprendre un petit peu le cours de ce match. Il y a 0-0 bien évidemment entre les deux équipes. Oui. Et l'Espagne a plus ou moins dominé cette première période en confisquant, Jacques, le ballon, c'est ça hein. Oui, du côté de Gijón beaucoup, mais vers Séville aussi, où il y a eu quelques beaux déroulés. Mais ma foi, la Catalogne fut fort dangereuse surtout. Merci pour cette analyse géo-footballistique qui ravira les amateurs. Nous retrouverons bien évidemment le prochain reportage. Aujourd'hui, à 19h37. Maintenant, on touche pour. L'Espagne. L'Espagne. Le camp espagnol, donc. Mais pour l'instant, nous sommes... Au soleil. Au soleil, du côté des Pyrénées, versant sud, pas ouais. Loin de la Jonquera. Et okay. Le ballon est remonté par la frappe. Ah, ça y est, Daniel Santini. Daniel Santini. Putain, c'est la gueule. Non, oui. Oh, c'est le goal. Ah, c'est le goal. Redmond qui n'était pas hors jeu. Non, si, non. Si. Non. Si, si. Non. 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 Si. Non. Non. Goal. Non. Il a marqué le but. Mais il s'est fait sonner la tête. Oh yeah, il a marqué le but. Ouverture du score. Il y a un replay tout de suite. On fait de plus en plus le rugbyman. Hein, je crois que ce soir, exceptionnellement, la vidéo est testée au cours de cette confrontation. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à voir? Est-ce qu'il avait bien la main au paquet? Jusque-là, tout va bien. Hop. Là, hors jeu. Pas Griezmann. Peut-être pas lui. Mais celui qui va la remettre. Eh oui, position de hors jeu, le but est annulé. Je te l'avais dit. Je le sentais, ça puait cette affaire. Ah. Oui, c'est Monsieur New Moon. Eh oui, Monsieur New Moon avec lui. Tout peut changer d'un seul coup. Ça bascule. Les loups rentrent dans le stade. Et oui, c'est hors jeu. D'accord. Oui, il la remet. No pressure. No pressure. Non. Pression, New Pression. Avec monsieur New Moon. Oh, bon appel, Juan trop long, Bouif. Trop long. Juan Bouif. Sans aucun danger pour la défense française. Il n'est point porose.
Espagne hein, qui cherche un second souffle hein, au niveau de son foot Ah oui, après ce qu'ils ont gagné, oui, c'est sûr. Une génération... Ouais. Ça en est allé, enfin, pas une génération, mais quelques joueurs au compte-goutte ont quitté la sélection, et pas des moindres. Et voilà pourquoi, Jacques, nous en sommes là. Oui, l'équipe... Commenter ce match est merdique. Cette équipe a encore du répondant, bien sûr, alors que les deux équipes, tête à mort, et voilà, par contre, Camero. Ah, bien essayé. Mais il y a une sacrée défense du côté espagnol, il faut le signaler. Ah, de gros gaillards. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Mais écoutez, hein, je vais la prendre. Ballon récupéré par la Francia avec. Alors Tulip Sol. Tulip Sol qui ne récupérera pas ce ballon et l'Espagne peut se relancer avec une tentative d'accouplement. Ouais, de Bertman qui ne donnera rien. Ouais, là, non. Jiménez peut se. Ouais, il n'est pas offert, Jiménez, ouais, mais... elle n'est pas prête à subir les assauts. Là, maintenant, il aurait pu... Oh, il essaie de bien mettre un petit coup quand même, mais c'est loupé. Toujours 0-0 ici avec les huées hein, du public. Oui, Jacqueline Huée. Oh, Jacques. Elle est aujourd'hui restaurée. Oui. Bon, c'est ça qui est important de dire. Grâce à la technologie. Oh là là. Oh là là. C'est ce que vient de le dire. C'était une action française mais légèrement avortée de ce joueur là qui nous surprend hein, par sa longilignité et son look. Ouais. Retrouvez les athlètes et partez à la poursuite de Sportage, fournisseur officiel de l'équipe de France PIC. Merci de nous rappeler. C'est ainsi dit. Ouais. Et là, tu vois, on fait les. Voilà. On fait quoi, les courses, non? Ah non, le sujet du bac, effectivement. Oui, hein, parce on commence à réviser un petit peu. C'est le petit carnet pour les courses, là, c'était le grand. Et le grand sac pour les courses. Merci, d'accord. Les Espagnols circulent moins bien qu'en première mi-temps, hein, dans cette France solide. qui s'est libéré, qui a passé les Pyrénées et qui vient embêter désormais la relance et l'arrière-garde espagnole. Alors embellissons. Oui. Même le colonel Lompaquito de la Gena a du mal à s'en sortir. Merci. Oui. Merci. Un problème, Jean-Louis, Jean-Louis. Tu me dis là, il y a une machine. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis? Qui essaie de rentrer là? Allez. Une radio? Ah. Ok. Non, c'est dommage. Un travailleur guyanais. Ah, une radio guyanais. Écoute. C'est, pourquoi pas? Ils ont des choses à dire. Ah, ils en ont ça. Ah, c'est le vieux qui sort. C'est l'ancien qui sort. Ah oui. Mini-État. Mais apparemment. Ah oui, on va faire entrer Alcantaré. Nul n'est pro-foot en son pays. Eh, si, on va faire entrer Alcantaré qui est prêt. Regardez, il est prêt Alcantaré à gauler. Il est prêt à gauler. Et attention. Et un autre derrière aussi, tout aussi fin dans son jeu, magnifique. On fait sortir, on fait rentrer. Allez, on y va, on fait tourner. Et là, effectivement, il faut mouliner hein, pour que tous les joueurs soient à même température, au même moment, à même vitesse. Hein. C'est important quand il peut y avoir des frictions. Et... Voilà. Merci Jacques. Non, il peut y avoir des. Une fois de plus ce soir, tu nous combles par ton analyse précise et puissante. Allez, oh, putain, M-Pépite, 1-2-3, ouais, c'est tout droit. Facile, il va une fois. Ne cherche pas, besoin de signalisation. Non, il connaît tous les panneaux, hein. Il essaye de ne pas tomber dedans. En tous les cas, dans ceux qui lui sont présentés, le ballon est avec Umtata qui... Pris au guichet. Retenu, effectivement, par le guichetier, c'est ça, Jacques. Ouais, je crois bien, hein. Il voulait ne pas faire la queue et il s'est reparti avec ce ballon. T'étais deux fois. T'étais forte tête. T'étais, ne l'oubliez pas tout de même. Et touche pour l'équipe de France. J'ai quelque chose d'autre pour vous, les amis. Je tourne la page. J'en ai. Aïe. Touche par Francia. Toujours 0-0 entre les deux formations. Je vous rappelle que c'est une finale de Coupe du Monde et on sent la tension ici. Ouais, on sent l'extrême tension dans le stade. Ouais, très très important ce moment où les deux équipes. Ouais. L'une des deux va sûrement fléchir. Oui, craquer. À ce moment-là, de l'heure de jeu. Il y a quelqu'un devant, derrière, au milieu, au centre, avec un contre. Ouh, on ne sait pas trop paniquer côté espagnol, mais on a encore le ballon côté français. Écoute, tu es de nouveau en forme et c'est ça qui compte. Merci. Ouais, on s'est bien entraîné à la mi-temps pour revenir. Ouais.
tout l'assaut. Tulip seul ou tout l'assaut, comme vous voulez. Et on fait tourner cette fois-ci. Ça y est, c'est l'équipe de France qui met un petit peu le pied sur le ballon et qui va essayer d'écarter cette défense espagnole avec Pirkawa. Pirkawa qui lui remet. Pas trop facile. Pas trop facile, les gars. Hein. On se prévient, on s'entend, on joue ensemble. Allons. Ouais, j'en veux. Ah non, qui va rentrer? Personne, hein, c'est bon, hein, là pour l'instant on est en 54ème minute et 15 secondes. Parce qu'effectivement j'aimerais bien qu'à un moment donné le ballon rentre dedans, tu comprends 0-0, ce que je veux dire. Bonne, grande, longue transmission, elle ne mettra point en danger Cliloris qui laisse filer tranquillement. Sortie de but pour l'équipe de France. C'est vrai que ça nous chagrine ce score tout de même. C'est un petit peu dégueulasse. Enfin le score non, mais il manque un peu de... Voilà. Manque de tentative de scorer. C'est ce que je voulais dire, merci. Carlos, lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Carlos? Des chansons populaires. Il n'a pas fait tata, non? Tata bite, non? Ou tata yo-yo? Peut-être. Hein. Sale faute côté française, jaune pour Joyer, hein, qui appréciera la couleur. Oui, Joyer qui est venu ciseler, ciseler ce jeune joueur en face de lui. Il l'a trouvé un peu brut et du coup, là, voilà. Il vient quand même juste lui remettre la cheville. Ah oui, là, il a beau faire le geste olympique, ça n'était pas moins pas beau. Non. Et même dangereux, je devrais dire. Hein. Non, je veux. Ok. Un jeune pour ça, hein, c'est un match amical, on ne donne pas des jeunes comme ça, pas dans l'amical, non. L'amical, c'est l'amical. Hein, je veux dire, si on commence à y saluer des jeunes dans l'amical, alors où va-t-on, Eh bien, se faire un petit whisky. Sporteuse, peut vous annoncer l'ouverture du bar jusqu'à 23h30. 10 minutes déjà dans cette seconde période, toujours de 0-0 entre les deux formations. Nous essayons de trouver quelque chose désormais pour enflammer cette partie. Et nous allons tout tenter. Nous allons tout tenter pour y arriver. Nous vous promettons du but. Restez à l'écoute. Nous vous promettons des actions sympathiques, des petits filets, des poteaux rentrants, des clavicules. Nous vous promettons de tout. Et ce soir au bar en promotion, le Panamaz. Un cocktail de free. Nous avons eu chaud sur cette petite action espagnole. Merci Jacques pour le cocktail. De fruits. Ouais, de fruits. On voit ça gentiment, on ralentit. Gentiment, enfin, il y avait quand même une bonne jambe, une bonne paire de jambes françaises. Enfin, il y en avait deux ou trois encore derrière. Ça ne risquait pas grand-chose sur ce petit centre. Par contre, on écoute ce corner tout joli. Oui, qui va endormir la défense et qui peut-être va profiter aux petites têtes blondes qui vont plonger sur le ballon. Crac! Il a fallu marquer contre son camp, non? Oui, non, c'était assez curieux. Hein, monsieur, oui, monsieur Snow. Non, il était tout seul. Monsieur Newmoon, pardon. Oui, Sergio Ramos. Sergio Newmoon, pardon. On voit gentiment ça au ralenti, on le cherche beaucoup. Il était tout seul. Pourquoi tu dis ça, Jacques? Je suis inquiet là, sur cette action. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'impression que les défenseurs français déjouaient, alors que jusqu'à présent, je les trouvais très présents. Alors, ils ont le cuir, mais cette fois-ci, l'Espagne a compris ce qui se passait sur la pelouse. Les généraux espagnols ont décidé de remonter à leurs troupes. Thank you very much. Comment? Hey, Camero, Camero. Qui joue en Espagne? Si, qui joue en Espagne, Sevilla, à Sevilla. Si, non, Sevilla, que non, Atlético, Madrid. Non, si, Madrid, Atlético, Madrid. Avant, Sevilla, después, Atlético, Madrid. Si, Ticonart. Madrid. Allons sur la droite pour les Espagnols qui développent un jeu chatoyant désormais avec Jean-Philippe Clouc. Jean-Philippe Clouc qui tire, tax. Dommage, Jean-Philippe Clouc d'avoir négligé ainsi cette petite offensive. Oui, il y avait une taxe, c'est pour ça que je l'ai précisé, il me semble. Oh non, ça c'est une frappe. Non, c'est indigne d'un joueur professionnel, je veux dire, à un moment donné. La passe est belle, mais la frappe là, qui est à 53 mètres du but, je veux dire, non. Relance Cloris pour une tête brune, châtain clair, maintenant c'est un pied blanc. Je regrette qu'il n'y ait pas la présence de Pesetas.
Oui. Pesetta, ça apportait quand même une certaine fluidité dans ce jeu. Oui. Oui, oui, mais un peu inflationniste parfois. Avec une belle remontée de balle par la Guardia Civil. C'est Serriosa. Oui, l'adversaire est là, mais il peut passer par dessous. Ce sont des combinaisons un tout petit peu plus années 70 maintenant, on va dire. Hein, attention quand même, on n'a pas refaire toujours les mêmes. Ah, c'est ça. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'en plus les défenses sont un peu prévenues, tout ça, et que. C'était même pas très ça bien amené. Ça manque un peu d'innovation. Oui, d'autant c'est pas bien amené. Les Espagnols ont encore le ballon, mais ne réussissent pas à percer. Oui, mais conservent quand même le ballon, tu vois, c'est ça qui est terrible. Oh là, ça c'est affreux dans un périmètre ainsi, arriver à faire cette petite balle. Oh, c'est terrible, ils amènent d'un côté, ils se lurent de l'autre. Ils nous pécadillent, mais nous sommes là. Ils nous étourdissent surtout, ils essaient de nous étourdir. Oui, que peuvent-ils? La France en est réduite à faire des longues chevauchées isolées, ouais, individuelles. Il faut que tu trouves quelqu'un, mais non, tu ne l'as pas. Non, tu vois. Il fallait allonger la transversale, là. Pour le moins, les Espagnols qui, du coup, ne s'excitent pas. Ah non, qu'est-ce que tu regardes? Hop, pam, terminé. Eh oui. C'est ainsi, c'est ça le jeu espagnol. C'est ça, en fait. Le ballon leur colle au mien. Colle au mien. Un bon vieux club de rugby, surtout. Hein. Colle au pied, le ballon. La saison est un peu finie. Nous finirons pas le Stade Toulousain samedi face à Munster. Le match redouté. Nous sommes grandement désolés, mais nous ne pourrons pas. Voilà. Oui, mais c'est un match à haut danger hein, pour les émotions fortes. Certes, en plus il y avait un A aussi derrière le. Oui, non, Jacques, non, écoute, ah non, je sais. C'est pas facile. Le ballon est là pour. Un choix cornerlien. Les Français qui se dégagent en urgence, c'est vraiment là, c'était au secours. Ah ouais. Et le ballon est repris par les Espagnols avec de la pontilla. Au secours, on veut un but. Au secours. L'arbitre en vient même à signaler les mauvaises touches de la part des Espagnols pour que les Français puissent récupérer le ballon. Enfin, on dirait que c'est ça un petit peu. Bénin, des gens qui guérissent rapidement avec les antibiotiques. Ah bah quoi ouais, on est malade ou quoi? Oui, apparemment on est malade. Ballon récupéré par personne, si ce n'est si. Allez, cette fois-ci, une fois t'es de plus, obligé de s'arrêter, l'Espagne. Je crois qu'on a un souci de. Ah bon? Retrouvez les athlètes et partez à la poursuite de Sportage, fournisseur officiel de l'équipe de France PIC. Merci. Ouf. Pour ce petit rappel. On a failli perdre le contrat, non, c'est pour ça qu'on était obligé de. Toca para Francia. Toujours il est 0-0, hein, toujours, mais là on fait rentrer Rio. Ouais. Rio solide hein, dans son maillot, dans son attitude, tout ça, malgré toutes ces critiques, certes parfois abusives, mais sous-jacentes. je sens ce que tu veux dire, Jacques. Je perçois quelque chose. Le ballon est remonté par la France. Joaillet. Ouais, même Pépite n'a pas pu récupérer ce ballon un peu mal balancé par Joaillet. C'est ça, hein, qui manque quand même là à l'équipe de France, c'est cette faculté de contrôle. Regarde, tu as vu ça, il était complètement perdu, c'est débordé vrai. Par le ballon et finalement, il le récupère magnifiquement. Les Espagnols sont fins techniciens, on le sait, mais pour l'instant, ils sont mauvais finisseurs. C'est un peu ce qu'on pourra leur reprocher ce soir. Alors que les Français vont être efficaces, casse-toi là. Il est pas bien, ouais, non. Gamora, il est pas en confiance et il sait qu'il va sortir, qu'il va être remplacé, qu'il a eu sa chance. Il serait temps, bien sûr. Ils vont l'abattre dans le vestiaire à l'abri des regards, l'humilier jusqu'au bout. Certes, mais le bon. Le trépané. Peut-être la critique va le faire progresser au niveau de la compétition. On sait qu'on a quand même un niveau hors norme. Oh, qu'il est gentil le Jacques, là, il défend alors que... Il y a le spécialiste, le rhumatologue. Ah, c'est pour ça que Jacques le défend. C'est pour ça. Oui, attention à ce petit ballon. Ce belle sortie. Anticipation magnifique. Oui. Loris qui a senti arriver le coquin. Il s'est offert au ballon. Ah. C'est fait beau. C'est fait magnifique. Ah, ouais. Les Français qui relancent, plus tout droit. Hein ouais, guide-les, Jacques. Ouais, tout droit, à gauche, à 3h moins le quart. 3h moins le quart maintenant. Vite. Ouais, par Pantin. Fais tourner. Non, c'est voilà. Prête, ballon, prête. Alors, ne jouez pas non plus comme les Espagnols, c'est pas ça normalement.
Ouais, aïe aïe, tu vois, ils ont du mal à même sortir de leurs propres 30 mètres. Nous sommes maintenant carrément au niveau d'Orléans. Hein. Les Espagnols ont passé les Pyrénées, ils sont en train de partir partout. Ça sous-entend qu'il manque un créateur dans cette responsable rayon diffusion ballon. Monsieur Spock est sur la touche, hein, Jacques. Je vous le rappelle, rayon diffusion ballon avec Pépite. Ah, le petit vite, le qui arrivera vite, qui arrive vite, Brest. Non, c'est pas le maître Kanté, Jacques. Ah oh oui, avec la petite balle intelligemment faite. Jeu. Oh non. Oh, il est bon quand il fait ça. Non, ouais, non. Il a tenté, il a essayé, ouais. Mais il n'a pas marqué. Non, non, cette belle vivacité. Il sera lui aussi abattu, excuse-moi Jacques, mais dans le vestiaire, à l'abri des regards. Voilà. Ça, n'arrête pas tout non plus, Jean-Louis. Il faut que ça reprenne un peu, là. On a eu peur. Il sait qu'il a loupé. Et qu'il va sortir. Ah, lui aussi. Ah oui, il sort. C'est un jeune, Jacques. Les jeunes sortent, vous savez, de nos jours vrai, maintenant. Ils sortent vite. Hein. Ouais. Et donc voilà, celui-ci il sort et s'en va. Et Rirou, oui. Et donc c'est Rirou, hein, l'homme de la tête, hein, l'homme à la tête de fou. Ouais. La tête de fou. Le goleur, le goleur. Le goleur, le goleur. Quand même. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il aime tout le monde. Ah non, non, non. Le serial goleur. En fait, c'est un teutard. C'est un teutard. Un teutard. C'est ça. Ouais, c'est... On remonte tout ça et on revient. On remonte encore un peu parce que ça s'est passé. Il y a encore un peu ce qui s'est passé. Encore un peu. Elle était enceinte. Ouais. Ah. Ouf. Allez, Gretman qui accélère dès qu'il le peut le jeu et avec un peu de chance. Rirou qui donne un bon ballon du pied gauche, son premier. Mais ça n'a pas pu passer. Mais dites donc, Jacques, mais vous commentez, tu commentes, mais tu, hein, vous commentez bien, Jacques. Allez-y, voyons, Rirou du pied gauche, tout ça, c'était beau. Tout matériau. Relance sous l'œil averti de monsieur New Moon qui s'est éclipsé pour laisser passer ce ballon, c'était magnifique. Non, on l'a pas dit, mais on a un prompteur. Sur la. Pourquoi tu balances des infos comme ça, Jacques? Non, merde. Sur la droite avec Paquito Sanchez de León. Aïe, aïe, aïe. Oh là, là, il a fait un tir kamikaze alors qu'il est espagnol, c'est de mauvais goût. Ah, c'est une tentative de frappe. Là, c'est pur Kawa qui nous fait admirer ses jolis tatouages. Ma foi. Bon, non, allez, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a un petit coup fort, mais il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup. Ce sont des réflexes, du coup. Oui. Considère ça. Oh, putain, c'est peut-être un réflexe. Quoi, d'ailleurs, même pour chacun se préserver un peu, il saute avant pour éviter quand même de se faire défoncer. Voilà. Ah, ouais. Ouais, et si je te demande si t'as un petit jingle, tu me dis ah ouais ou tu me remets un. Ah ouais. Tu me remets. Weshga. Euphorique et optimiste, leader de la haute technologie. Weshga. Radio Sportaz. La performance, haute prise cette année, a déclenché un sursaut d'espoir. Oh Radio Sportaz. Vous êtes au cœur du spectacle. Weshga. 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 Oui, il y a un petit ballon tout à fait intéressant pour les Espagnols, mais les Français sont encore à l'affût de faire une connerie. Oui, pas loin du tout, et il y aura quoi? Il y aura pénalty. Il y aura pénalty pour l'équipe espagnole. C'est, c'est quel est l'arbitre, quel monsieur New Moon. No. New Moon. No, si. Good. Si, pénal. Et pourquoi? Et pourquoi la main, la falta? Aquí está bien, et là, obsesión, pero... Pero sí, mira, él contacto, obsesión. Sí, contacto, obsesión. Lloris. Alors, Lloris face à un ami du championnat de France, j'ai nommé... hein? Ah, c'est pas lui. Ah, merde. Alors, c'est qui tire? Allez. Ah, c'est Bernardo. C'est parti par l'Espagnol. C'est Don Bernardo Go. Don Bernardo Gol par Espagnol. Eh bien oui, il fallait bien que ça rentre à un moment donné. On était insatisfait. C'est un penalty, c'est pas nettement mieux, mais c'est un goal tout de même. C'est un goal. Allez, on va dire que les Espagnols ne l'ont pas totalement mérité, mais pas non plus l'inverse. Non, Jacques, moi je trouve que finalement ça reflète un petit peu. Un peu. Un peu la physionomie de ce match. Oui, oui.
Tu vois, le visage de celui-ci, cette Espagne qui conserve le ballon, qui se fait un peu de temps en temps féroce, et puis qui finalement, au bout du compte, allez, viens se chercher un but sur un pénalty un peu foireux. Alors c'est vrai que ce ne sera pas un 6-1, un 8-3, un 4-12. On aurait souhaité, bien sûr, une grande branlada. Non, mais non, c'est un match... Non, faut arrêter les conneries, là. Bon, le savez, match amical, calme. Match qui pédale. Ouais, ouais, ouais. Allez, petit but, 60e minute sur pénalty. Oui, alors là maintenant, monsieur New Moon, hein, qui est quand même, qui a deux faces, hein, monsieur New Moon, il faut le savoir, il va compenser désormais du côté français, vous comprenez. Et il ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, il y ait un petit coup franc ou un petit pénalty du côté des tricolores pour équilibrer tout ça. Écoutez, je serais fort heureux. Pourquoi ce serait fort heureux, Jacques? Oh, pour le smoothie du sport, quand il est comme ça... Agrégeant aux légendes un bon moment ensemble. Merci. Ah. Oh, mais c'est cette musique, je pense, qui doit. Peut-être. Qui doit te retourner. Merci, Jean-Luc. Ballon français, mais pas tout à fait ici. C'est Rirou. Ah, on va chercher Rirou, bien évidemment, la tour de contrôle Big de la Tower française. Big Tower, et là, c'est écarté, ça ressemble par Kawawa. Big Tower, Jacques, c'est pas une contre-pétrie, hein, par contre, ça. Hein. Je vérifie. Non, non plus. C'est là qui est. Alors, récupéré par Papayoko. Papayoko qui est rentré. Il est rentré, Papayoko, depuis un certain temps. Ouais, hein, ouais. On l'a vu, puisqu'il est adorable avec sa coupe blanchie. Ouais, son look. Ouais. Blanchie, ouais. Sa coupe blanche. Son look, oui. Peroxydé. Plus wax. Le ballon sur la droite, il n'y a pas d'enjeu, voilà. Il est encore là quand même. Caméro, avec tout ce qui s'est foiré, il est encore quand même sur la pelouse, il maintient sa position. C'est bizarre. Et obtient un corner. C'est bizarre. Oui, c'est curieux. Parce que les Espagnols, c'est quoi c'est, Peut-être non parce qu'il connaît le football espagnol. Que mine de rien, il maintient. maintient, quand il est con l'autre. Alors, un corner pour qui? Pour la France. La France, plan, là. Dans ce short et ce maillot bleu, voilà. Cette chaussette fait rouler rouge intérieur, tête. Oh, merde. Récupéré par les défenseurs français jusqu'au gardien. Sans immense conviction. C'est qui ça? Ne joue pas. Mais ce n'est pas fini. Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? 20 minutes à jouer, 20 minutes à jouer, effectivement, ce n'est pas fini, Jacques. Du coaching, c'est encore possible, non? Mais cette fois-ci, il y a du 1-0. Il ne raconte jamais d'histoire. Jacques, jamais. Franc par Afrancia sur cette petite faute de. Oui, piquette. Demain. Ah, demain, on aura un joli combat. Fais attention à ne pas tout mélanger. Voilà, là, ils se mélangent un peu les deux joueurs. Non ah oui, mais c'est ça, on va avoir un joli combat entre Piquette et. Parfait. Et Rirou, c'est parfait, bien évidemment. Avec un coup franc pour l'équipe de France. Il est loin, là, quand même, hein, 40-35. Oh, il est loin, 35. Il est loin. Rirou appelle de sa tête. Il y a des joueurs ballons. De tête. Il colle le ballon et il essaye. Et c'est derrière que ça va jouer. Ça va se jouer corner. Oui, une tentative d'Umtata sans grande conviction et qui finalement lui permet de bénéficier d'une cartouche supplémentaire. Action un peu par bizarre. Par le biais d'un corner, un peu bordélique. Un peu bizarre, un peu molle même. Ouais. On la sent pas, hein, on la sent pas habitée par une folle envie quand même de. Salut. De s'exciter cette équipe de France. 71 minutes 45 secondes et peut-être une belle action française. Pas, oui, encore pas. Un bon tir. Non, toujours pas. Non, c'est bon, un petit tir peu moyen, tout, n'importe quoi. Ouais. Caméo, tir moyen. Mais surtout, on ne prend aucun ballon dès la tête, dans la et surface et. Ça va pas, ça va pas aller avec Gretman again, seconde poteau. Oui, Papa Gaillot, mais cette fois-ci, Papa Gaillot, mais tout en haut. Trop d'apropriisme, les gars, dans le finish. Petit. On voit si on a un finisseur, on a une combinaison, un coup de pied arrêté, souvent à sauver cette équipe de France, on va dire. Alors que là, on a vu effectivement un joueur expulsé par les autres joueurs, il est mis en quarantaine. Petit, tu as vu la femme de Jean-Louis? Merci, Jacques. Dit que monsieur Spock, hein, qui est sorti quelques instants là, pour aller discuter avec le capitaine Carré. Pour l'instant, là, la touche va être jouée profondément avec un aval du capitaine espagnol, un appel de balle de Juan Pedro. Ce sont les Français qui récupèrent avec Jean-Claude Petit. Il a tenté qui s'est un peu dévissé. Et heureusement que Lloris toujours prompt à sortir
au-devant du danger. On ne sait jamais si j'aurais pas une petite caresse à récupérer. Et attention, parce que là, il y en a un qui s'est fait bobo. C'est choking man. Tout seul, il s'est choqué tout seul ou... grand choc. On est prêt. On a vu pire quand même, hein, dans le genre de... col choc. C'est col choc, effectivement. Qui s'est fait un petit peu secouer. Oh. Ah si, il s'est fait sang, la gueule. Il y a du sang, t'as vu du sang, Jacques? Non. Non, c'est le reflet. C'est fait sortir la coque, hein, parce que c'est vrai que c'est là, ça commence à faire beaucoup. Et un jeune qui va rentrer, un jeune ancien cycliste qui Herrera. On se salue du côté espagnol, on est content. Finalement, on vient faire un petit tour à Paris. On prend un peu d'avance, un petit peu d'écart. C'est amical. Oui, c'est amical, certes, mais pour le footballeur, tu sais, la victoire. La tête, toujours, c'est professionnel de très haut niveau, c'est vrai. Rien n'est au hasard. Non, non, non. C'est un peu le bordel sur la pelouse, là. J'aimerais savoir, est-ce qu'on nettoie maintenant? Est-ce qu'on nettoie, s'il vous plaît? C'est qui, vous avez un train qui arrive. Il y a un train qui arrive. Il faudrait sortir le joueur sur la pelouse, là. C'est un train. Alors on a tout le monde. Hein. Et on voit gentiment ce pénalty. Merci Jean-Louis. Oui, merci Jean-Louis. Deuxième pénalty? Non, Jacques, non. Tout l'équilibre du joueur sur cette frappe sublime. Tu vois, pour la mettre juste dans le petit filet, pratiquement impossible à arrêter. Oui, l'angle était intéressant, Jean-Louis, mais je ne comprends pas bien la main du Français. Là. C'est un message subliminal. Tu as vu quelque chose? Ah, mais là, ils sont en train de le soigner pour de bon. Ah. Oui, c'est le cuir chevelu, manifestement. Pourquoi il ne le sort pas? Il est blessé, comme ça lui permet de faire un petit remplacement tranquille, de tester un jeune ou tout comme, non? Oh, il avait ses petits plans méchants. Ça y est, il est remarquable. Il est remarquable parce qu'on le voit de loin. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, il se fait éclatouiller la tête. Regarde. Du sida. Pas sûr. Peut-être pas, regarde. C'est le 110 hein, pour le sida, c'est ça? Ouais. Hey, Kiloris, quand même, hein, il n'aura pas démérité lui par contre ce soir. Il y a eu un petit arrêt à faire. Un arrêt de bus. Et on fait rentrer donc un changement de chauffeur. Ah oui, il va falloir faire effectivement quelque chose. Le changer, le sortir, le soigner, le rafistoler, le renvoyer par Europe Assistance. Albert Duchamp. Non, il veut rester. Non, il va pas continuer à jouer, Gantier. Je crois qu'il va pouvoir faire des têtes avec son sparadrap sur... Comme caméo, apparemment il y a des indécrottables ce soir sur le terrain, je ne sais pas. Et il reste. Il revient, il y va quand même, il en veut. Vous ne m'avez pas encore assez pété la gueule, ouais. Tu vas voir. Tête, allez, on va dire que c'est pas si mauvais que ça dans ce genre de match, de prouver qu'on en... Oui. On en garde des ressources malgré tout. Innocent. On va voir ça. Oups, tout de suite bousculé, les petits Français, y compris le blessé, y compris... Bousculé et en danger, sauf que là, Maître Kanté. Eh oui, il y a eu Kanté, mais il y a Maître Kanté. C'est un petit peu ça. Avec les Espagnols qui sentent que c'est le moment du Dajstout, du doublé. Du doublé. Yes, goal. Et cette fois-ci, ça ne doit rien à personne. Position au jeu en... Chacun son tour. Ouais, n'oublions pas que l'équipe de France a aussi été victime de la loi du hors-jeu. Oui. Ah, il demande. Quand même une vérification. Alors, vous remarquerez qu'on n'arrête pas le temps, contrairement au rugby, je trouve ça plus intelligent. Tu trouves, hein. Ouais. Ah oui, c'est la première fois que l'arbitrage vidéo est utilisé. Est-ce qu'on le prend? On y va? Est-ce qu'on peut avoir les images? C'est dramatique. C'est dramatique. Oh, et puis là, ils n'ont plus la lucidité pour faire le bon geste au bon moment. C'est ça, Jacques, ouais, tu vois? Ouais. alors que Jacques en profite pour nous repasser. Il y a une doublure, effectivement. Non, ils sont là, les Français, les Ricoux, a priori se connaissent un minimum. Oh, dis donc, les voix n'ont pas changé. Alors le but est accordé, j'ai l'impression, Jacques, cette fois-ci. But est accordé, oui. Là, la première fois que l'arbitrage vidéo vient... Confirmer ou infirmer, effectivement. Ah bon. Et pourquoi il y aurait eu hors-jeu, voyons ça. Ah oui. Ah, il y a hors-jeu. Peut-être hors-jeu. A priori. Enfin, sur cet angle-là, en tout cas. C'est ça. Il faut peut-être le voir sous un angle réel. Allez, c'est goal. Souple, oui. Goal accordé donc par l'arbitre, ça fait désormais 2-0 pour l'équipe d'Espagne. Oui, c'est moins. Pour une équipe qu'on dit en remaniement un petit peu, c'est moins glorieux pour les Français.
Oui, mais les Français n'ont pas non plus sorti leur gros bijou. Et il y en a encore qui peuvent rentrer d'ici la fin de ce match. 2-0, somme toute un petit peu décevant pour ces Français qui n'ont pas totalement joué. C'est ça, surtout. Hein, totalement lâché. Ils ont été empêchés de jouer. Ouais. C'est surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se dépêtrer. Regarde, tu vois, de l'étreinte espagnole, même sur des petits ballons tout anodins. Oui, il n'y a pas le spirit of the cuir. Il manque un peu quelque chose. Peu, ouais. Effectivement, quelqu'un comme compte. Lui, peut-être, là, ouais, Papa Gallo, qui va à fond. Papa Gallo. Il continue, mais il est tout seul, le pauvre type, il est tout seul. Et oui, les autres, ils le massacrent à 8, 9, 10, ils y viennent. Là, c'était carrément un peu trop de non, mais sérieux. Oui, de pas sérieux. Oui, non, c'était pas sérieux, sérieux. Allons. Notez-le, ce fait de jeu, note bien, il y a un ou deux joueurs côté français qui se bagarrent beaucoup et tous les Espagnols sont toujours très très en défense, très très collectif et du coup, rien n'est possible, si ce n'est un coup de pirate. Bah, disons qu'il faudrait jouer plus vite quoi du côté français, tu comprends, voilà. Hein. Bah, plus resserré d'une ligne à l'autre. Plus vite. Ouais. Ah, on sort Gamero. Et on fait entrer à d'emblée. D'emblée, normalement, c'est ça, il doit y être d'emblée. Ouais, mais là, c'est un peu à l'envers. C'est un peu démonté, ce truc. Et Lomar, on fait entrer. Alors là, c'est Lomar. Tout nouveau. Ouais. Le marque. C'est un bon petit coup franc pour l'équipe de France. J'essaie de commenter ce match qui est tout pourri. Deuxième poteau, non, centre. Voilà, on se calme. Attention à la contre-attaque espagnole. Ça va vite. Ah, ça peut aller vite. El Pueblo. Mucho, mucho, rapido. Oui, oui, aïe, aïe. Oh, cet extérieur du pied, Joyeux, qui est déjà bouffé. Ah ouais, puis il râle, il gueule, il fait n'importe quoi. Eh oui, il était hors jeu, ce con. Et vous êtes bête. Sur ce coup-là, en tout cas. Ah oui, là, il est mauvais, parce qu'il avait qu'à suivre juste la ligne des défenseurs, et finalement, c'est ce qu'il a fait, mais l'arbitre l'a pas vu comme ça. Ce sera donc une putain de relance française. Ouais, mais un petit fond de jeu, ouais, qui a du mal à s'installer, quoi. Je veux dire, un peu comme Je comprends. Le métal aujourd'hui, on pense. C'est vrai que la scène musicale locale s'est effondrée en Vernet. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, la salle de concert, les mecs. C'est pareil là-bas, tu vois. Ouais, les mecs, c'était vraiment, vraiment l'endroit où on pouvait jouer à fond, en flashé, avec les guitares. Bien connu, Tout était bien accueilli, tu vois, des amplis impeccables. Serveuse. Ouais, puis bon, le mec, t'as fermé, puis bon. Dans les chiottes. Et tu vois, Merci pour cette animation. Je ne sais pas pour qui vous travaillez ce soir, mais ça m'étonne un petit peu. Qu'est-ce qu'on prépare comme radio, les gars, là? C'est quoi exactement? En radio discute. Parce que c'était un petit peu ça. Le ballon est tranquillement dans les pieds espagnols qui, regardent, se défont, eux, par contre, complètement et rapidement de l'emprise française. Tu comprends, c'est ça la différence. Ah, ça, c'est un peu pénible parce qu'on cherche un peu la confrontation. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un petit côté quand même. Ah oui, regarde ça, ils avancent tout en libérant les espaces. On revient un petit peu en arrière, on avance. Histoire de faire sortir, ça passe pas par là, et bien on va essayer par l'autre côté. Voilà, et autant, là, tu vas voir. Autant accélérer le jeu, donner une chance à chacun plutôt que. Bon, enfin bref. ne dis pas des choses comme ça, Jacques. Ça ne te ressemble pas. Son acide nucléique, son ADN, donc on peut avoir. Non, c'est pas dans ton ADN tout. ADN, moque. Allez, bonne tête française pour une relance, c'est Maître Kanté très embêté, mais. T'as vu dès qu'il peut accélérer. Non. Pas pu assurer sa passe avec Riveau. Enfin, là, c'est un peu n'importe quoi maintenant. Griezmann, non, il n'y avait rien du tout, mais c'est pas grave. Rien du tout, mais l'arbitre il a sifflé, il a allez, décidé joue, de on compenser. Joue. Oui, il y a 2-0 maintenant, il se dit je peux tout siffler. De toute façon, je m'en fous, j'ai été mauvais. Coup franc pour les bleus. Pour les bleus. Coup franc pour les bleus, voilà, gros plan. Mais voilà. Comment ça? Qu'est-ce que c'est les couleurs sur votre télé, Jacques, alors? Parce que là, moi j'ai pas de bleu sur la télé. Vous n'avez pas de bleu, vous? Non. Qu'est-ce que c'est? J'ai du fuchsia. Il y a du jaune. Jaune et fuchsia. Ah, tout autour, c'est du bleu. Du matin comme étant mauvais quoi. c'est vraiment mauvais. Le ballon est là. Ouais, dans le 22, les 22 mètres avec l'équipe de France qui va marquer un essai là peut-être. Papa Rambord qui a lâché la balle. Ouais, c'est un centre à nouveau. Oui, ça joue quand même. Cette fois-ci, on peut aller essayer d'aller marquer. Il tente le coup. Non, non, retourner. Non.
Non, là, c'était quand même un peu osé. Osé, mais c'est un jeune, ça, je trouve que c'est très bien. D'emblée, comme ça, tenter le coup. Mais pas assez chauffé, on revoit Rigaud qui fait un bel passe. Ah oui, belle petite balle. Mais là, personne n'a choisi. Purkawa, il ne sait pas trop quoi faire du ballon. Et là, d'emblée, c'est loupé. Pas tout à fait saillante que cette équipe de France. Non. Manque de percussion. Oui. Manque de jeu en avant, en amont. C'est ça, verticalité, une espèce de verticalité, de vitesse pour amener très vite le danger vers le but adverse. Ce petit penalty là qui était. Je pense qu'on aurait pu l'éviter, mais bon, voilà. 2-0 pour l'équipe d'Espagne, ici en France, 83 minutes, 43 secondes, le Sporting 793. Bonsoir. Match amical. Oui. Foot. Oui, nous retrouverons mercredi prochain, 5 avril. Ah, ce sera quoi, ça? 20h55, Avranches, Paris Saint-Germain, quart de finale de Coupe de France de foot. Ah, alors là, il va falloir trouver quand même une belle photo, hein, parce que là, Avranches, Paris Saint-Germain, c'est quand même... Ça risque de faire mal. Ça se joue où? Avranches. Enfin, un truc autour de Avranches, quoi. Ouais. Jean Lens, peut-être. Ouais, tu connais. On y va? Ah, on va. On a pris des billets, oui. Oh putain, on va aller dans le nord. Donc Avranches, Paris Saint-Germain, le 5, je le note sur mon agenda, Jacques, le 5 avril. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après on prend l'élan. Hein, D'accord. C'est pas que... C'est noté. Ballon sur le côté pour Drutba qui... C'est Joyeux qui a salopé le truc. Oh. Le ballon n'est pas sorti, ma grande surprise. C'est dommage de faire des fautes comme ça. Là. C'est dommage. Mais bon, Purkawa avait tenté le coup. Ce n'était pas réussi. Il sera puni. Qu'on l'abatte lui aussi dans le vestiaire. Qu'on les abatte tous. Pourquoi? Parce que... Eh oui, faut tout expliquer, c'est normal. Changement. Macho. C'est Macho qui rentre. Ouais, le retour de Macho, ça peut pas être étonnant. Hein. Ouais, je sais pas s'il faut le chanter vraiment en souriant. Il n'y a plus de papier aluminium, visiblement. Non. On sort le rouleau à le bas pour laisser un barbu rentrer. Voilà, on se touche si possible. Voilà, messieurs, c'est important, sur le fluide. On se passe là. Ah. Oui, bien sûr. Ah. On se serre les pelotes. Oh, voilà. Tu vois tout ça. Et ce sera un dégagement tranquille pour le portier espagnol qui a vraiment pas eu grand chose à faire de toute la partie. Hein, le pauvre je crois type, qu'il a même fait un peu de repassage. J'ai aperçu faire un peu de repassage. De nettoyer sa surface de réparation. 13e minute. Ça, Oh, c'était encore un peu limite de la part de Kolčík, son gardien. J'ai oublié dans le domaine du sida, dans le domaine des hépatites virales. D'accord, nous, c'est bon, on n'a pas oublié, c'est là, bon. On a perdu, c'est sûr. Mais c'est quand même, peu... nous sommes encore présents sur Dailymotion, sur YouTube, sur Sportas Family, sur Facebook, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Non, alors, bien sûr. Yeah, from our next brother. Ah, ça sent le finish, hein, quelques minutes, hein, peut-être une poignée. Quelques arrêts de jeu dus à la vidéo, arbitrage vidéo expérimental, que penser? Je ne pense pas, c'est quand même un match amical, les joueurs sont fatigués, hein. ils veulent aller dormir maintenant, ils veulent rentrer, et ça est temps d'abrécher ce match. Allons bon, Bob Papayo. Il a le ballon, Akatsuku. Ouais. Akatsuku glisse à droite avec Alpay, puis Basturk. Ouais. Prochain rendez-vous de l'équipe de France, ce sera bien sûr au mois de juin, avec trois matchs début juin. Le match le plus important, bien sûr, ça sera les gars. Suède, parce que ce sera sans doute une finale. Les gars, ça va pas à l'équipe de France. Un peu comme les Français, donc c'est vrai, vous avez raison. Peut-être ce match ça va pas, là. Oh, ça fait parler quand même. Ou avec une balle dangereuse pour les Français, avec Gretman qui l'a prise quand même le ballon. Oui, mais pourquoi il n'a pas pu la redresser cette balle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il manquait quand même quelques centimètres, c'est prévu ça par les règlements. C'est vrai? On va voir cette action. Voilà, il est là. Ah, il ne peut pas sauter, il est empêché un peu de sauter. Si il est retenu par le maillot, regarde. Il est retenu? Il est un peu retenu, finalement. Il se... Oh là là. Oui, j'ai pensé que c'était petit. Non, ça peut sauter plus haut. C'était heureusement qu'il y a des filets quand même, pour ces jeunes trapézistes là qui tentent des figures magistrales. Hein. Quand il y a le carnaval, il y a des filets. Le ballon est dégagé par le portier. Quelques minutes qui se resserrent. La minute devient chère.
Oh. C'est le Money Time. Oui, la version anglaise ou américaine, hein, Jacques, hein, parce que chez nous, on dit quoi? Bankable. Hey, bon. Chez nous, c'est... Non, mais non, c'est l'instant d'argent. Non, tu peux résumer beaucoup de choses par Macron aussi, ça peut le faire aussi. En ce moment, hein. De résumer, je vois. Attention, ce ballon espagnol. Mais comme on l'a dit lors du dernier match, hein, c'est en mars, et uniquement en mars. J'ai un petit peu l'impression que le mouvement perdure. Ah. Le ballon remonté par joaillerie et charcuterie réunis. Le ballon dans les pieds espagnols. On va ouvrir sur le côté. Placito. Regarde, des suites, change affolement de Sida quand même un peu. Un peu, hein. Pourtant, il y avait beaucoup de joueurs français tout autour, mais ils en sortaient bien. Voilà, ouais. Ils en sortent bien aussi. Même. Enfin, ils sifflent tout et n'importe quoi. Là, en ce moment, il reste une minute et quelques à jouer entre les Espagnols et la France. Et l'Espagnol mène 2-0. L'équipe de France est battue en cette finale de Coupe du Monde. Là, on joue pour la FIFA. Là, hein. C'est le temps gratuit pour la FIFA. Hein. Donc, c'est là où ils prennent. Là. Les joueurs ne sont plus payés à ce moment-là. Donc, c'est l'explication de cela, peut-être. Tout ce temps-là est pour eux, pour la FIFA, pour les poches de la FIFA, c'est ça. D'accord. Là, on prend tout. Et les autres, là, ils les font échauffer, ils les font échauffer, ils les font échauffer, et puis, c'est fini. Donc. Ah, ça marche bien, ça, hein, dans le mental. Ouais, c'est dur, hein, je pense qu'il les humilie un petit peu, là, légèrement. Il leur met une petite calvote derrière la tête. Bizarre. Le grand chef des champs. Bizarre, il aurait pu faire un peu plus de turnover, de rotation ce soir, hein, ouais. L'entraîneur français. Enfin, quand il a vu la tournure des événements, il s'est dit qu'il allait peut-être mieux essayer un peu de sécuriser quelque chose, parce d'accord. que là, sinon, ça allait prendre l'eau de toutes parts, comme ici, peut-être. Oui. Et là, le joueur espagnol, le côté droit, qui face à Cojahua, qui ramasse sur les apparitions, pas de falta, on joue à dos, 13-4. Ah, oui, là, il n'a pas osé dire à l'autre faute, et c'est déchiré. Ouais, dommage. Est-ce que la balle lui était pas si bien donnée, peut-être Ah si, mais on vient l'embêter un petit peu quand même. Joyer. Du côté français. Ouais. Joyer, oui, qui est sorti de son écrin pour venir couper la trajectoire. Du bracelet. Ouais. Ça va, Jacques? Oui, match relativement nivelé, on va dire. Nivelé. Gourmand sur quelques aspects, mais décevant tout de même sur l'implication, la fraîcheur de cette nouvelle génération qui avait l'occasion là de marquer un petit peu plus de créativité peut-être, de prise de risque, mais qui s'est là un petit peu laissé emporter par la technique collective des Espagnols. Oui, je pense qu'ils sont tombés sur plus fort tout simplement. Oui, sûrement. Cette jeune équipe manque d'expérience et de cadre rassurant peut-être. Attention, celle-là même. 5 minutes, 5 minutes, tu vois, pour un match amical. 5 minutes d'arrêt de jeu, Jacques, effectivement. C'est beaucoup. Je pense que c'est la TVA qui a augmenté. Parce que là, quand même, ça commence à faire. Ouais. Hein. Non, s'il vous plaît, vous allez pas nous foutre des non, enfin, ça ne pourra pas être le rugby non plus. On ne sait jamais, imagine, là, qu'il y a un blessé. D'un seul coup, un blessé, ça dure 10 d'accord, minutes, 20 d'accord. minutes. Oui, on ne sait la jamais. La voiturette arrive, elle est en panne, ils sont obligés de... Ouais. Par exemple, et ça dure. Le médecin fait une crise cardiaque sur le moment. Et... Ah, attends, non. Bah non, j'ai pas quand même. Des antibiotiques, et ça joue. Des sous-antibiotiques. Ça me rassure. Et ce sera donc récupéré par qui? C'était joli ce petit coup de pied de Purkawa, comment. Oui, mais il l'a fait un peu à l'aveugle, tout simplement. Ouais, il a senti arriver le ballon derrière le joueur espagnol qui était plus grand que lui. En 94. Ah, ouais. Depuis, il a grandi, c'est vrai. Il a dû avoir un petit centimètre de plus. C'est fort possible, hein, parce qu'il a pris l'eau. Le ballon était espagnol dans les pieds du portier espagnol. Donc, allez, prêcheur. Si, prêcheur, les gars. Prêcheur, il a dit Jacques. Ah, ok. Prêcheur. Goût, 12 prêcheur. Et voilà. Ouais, hop, contrôle. 1, 2, 3. Pas trop quand même. Sonnet. Pas trop. Mais oui, à un moment donné, il faut tirer direct. Quoi. Non, alors, les petites passes dans la surface de réparation. Tiens à toi. Non, moi je préfère pas. Et oui, il est hors jeu là. Et oui. Ouais, juste pas. Non. Bon. Un peu décevant ce finish pour les Français là encore un petit peu. Allez, une mi-temps. Ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Une mi-temps pour rêver au cauchemar qui ne s'est pas fait tout de même. Oh, soirée de merde. Non, pas quand même, je dis. Quelques satisfaction. Non, tout de même. Non, vous êtes un petit peu curieux. Attention à ce dégagement de portier d'Andero de Valladolid. On va dire que ça n'a pas d'incidence, hein, ce résultat, sur les compétitions, etc. Le classement peut-être un peu, mais bon. Si peu.
Non. Tu peux un petit but, allez, pour les Français, ou un frémissement de poteau, un gardien qui plonge. Quelque chose. Oh là là, même la transmission la plus simple, il n'arrive pas à la réaliser. C'est terrible ce qui se passe en ce moment sur la pelouse du Stade Défense. Merde. Allez, les Espagnols toujours dévoués hein, dans le collectif. Ouais, ouais. Ne l'oublions pas. Même si parfois, effectivement, ils ont leurs déchets aussi, mais c'est moins. Alors. Oh, c'est joli, fait à part de d'emblée qui. Oui, non, d'emblée oui. Qui s'emballe quand même. Ouais. Non, il s'emballe d'emblée. Hein. Ah là là, ouais, effectivement, là, c'était un paquet cadeau avec lui-même. Et là, c'est tranquille par contre pour les Espagnols qui développent sur la gauche le petit et dernier but, à moins que. À moins que, voilà, il y ait une intervention de monsieur New Moon. New Moon. Très bon ce soir dans le rythme en tout cas, même si bon sur le pénalty on peut lui reprocher un peu, mais je trouvais qu'il avait bien géré l'art de la vidéo. Par contre le geste d'emblée, excusez-moi Jacques, était parfaitement réussi le premier, ensuite il s'est effectivement emballé, mais sinon le premier était d'une beauté superbe. Non, c'est un joueur d'avenir. Ouais, et d'une justesse technique assez remarquable, c'est vrai Jacques, vous avez raison. Allez, plus qu'une petite minute à tenir. Pour que ce joueur... Allez, faire autre chose. Non, alors... ce soir. Les titres dans la presse demain, Jacques, qu'est-ce que tu vois comme manchette Oui, jeune génération, génération cachée. Génération cachée. Merci. Voyons voir. Ballon français, mais on ne sait trop que faire sur ce côté gauche. On est un peu perdu, donc on revient en arrière. Une petite passe en avant et deux passes en arrière. Et là, c'est moins sympathique. Et oui, regarde-moi ça, on a reculé de 70 mètres, voire de 230 sous les sifflets, les huées du Stade de France. On pourrait appeler ça aussi une défaite chronique. Oui. C'est-à-dire une défaite qui revient face à des grandes nations avec lesquelles nous n'avons pas à nouveau réglé notre curseur. Il me semble qu'on les avait, pas battus ces nations-là quand même. Si, depuis quelques mois, mais là nous n'avons pas tout à fait l'équipe de France totale. Mais là, il y a un petit coup encore à faire en dernière seconde. Il était joli le coup à faire, mais il n'y avait plus personne, dommage. Damage dans la dernière seconde, c'est sifflato et c'est terminato. C'est terminato, je suis bien content que c'est terminato, que c'est sur la victoire de l'Espagne ici au Stade de France. Et premier petit coup de. Sous les fesses. De la formation tricolore. Oui, avec des buteurs espagnols qui n'ont pas à rougir, d'autant qu'ils jouent en blanc. Et qu'ils ont fort bien honoré leur maillot ce soir, collectivement. Ce ne fut pas tout à fait le cas de cette équipe de France qui était toute bleue. Oui, qui est à l'âme même, peut-être maintenant. Oui. Oh, écoutez, moi je vais aller me coucher de suite là. Je vous laisse, je vous fermez tout là et tout, et puis je dors. Hein. Oui, on va continuer de préparer les cerveaux, la France de demain et la semaine prochaine, le prochain Sportaz. Vous serez bien sûr bien. On a dit le 5 avril. Oui, vous serez mis au courant sur les pages des réseaux sociaux où vous le savez, vous pouvez nous choper. C'est vrai? Eh bien, écoute, énormément. Qu'est-ce qu'on fait? On dit bonsoir, madame. Oui, bonsoir, mademoiselle. Ah, quand même, bonsoir, monsieur. C'est vrai, on fait plus d'interviews, mais ça pourrait être repiquable. C'est la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Éric Dournon? En première mi-temps, parce qu'on n'a pas su. On a eu beaucoup de pertes de balles. Après, au niveau de la deuxième mi-temps, on est beaucoup mieux rentré. Bon, après. On aurait pu mener, mais c'est pas le cas. La justice de Dieu, évidemment, d'un tout autre ordre. Mais... La meilleure chose en deuxième mi-temps, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, bien évidemment. Pas de son, pas de son d'ailleurs. Qui avait découvert ça en allant aux États-Unis et qui avait ramené dans sa poche les méthodes pour faire la culture et la sérologie de la maladie. Et c'est lui qui est le premier à diagnostiquer les premiers cas en France. Et il m'avait appris beaucoup de choses à l'époque. Prochain rendez-vous, Sportage 794. Le 5 avril. Coupe de France de foot. Avranches PSG. 20h55. C'est sûr. Oh.
devant, devant. Et... ça change un peu le football, bien évidemment. Parce... Sportas. Information à l'entrée des forêts. C'est différent, mais c'est comme ça, c'est l'évolution du football, il faudra s'adapter. Sportas. Chapelle du FC Barcelone, Michel Diage. Viens. Allez, viens. Au revoir. Publié.